Rebonjour à tous. Donc là, on va commencer par un exercice sur les vecteurs collinaires. Alors un vecteur, je rappelle, c'est un objet mathématique qui contient trois informations, une direction, un sens et une longueur. Alors ce type d'objet, on s'en sert par exemple en physique pour décrire des forces. On s'en sert aussi pour décrire des vitesses. Ici, on va s'en servir essentiellement pour définir des changements de position. D'accord? Donc par exemple, le vecteur i qui est ici, hein, représenté par cette flèche, il correspond au changement de position qui dit j'avance d'un carreau vers la droite. C'est très très simple, voilà. J'avance d'un carreau vers la droite, c'est un changement de position, et il peut y je fais correspondre à un vecteur, ça définit un vecteur, le vecteur i, que j'ai dessiné là, mais que je pourrais dessiner n'importe où, hein. Donc toute flèche qui a pour longueur ben, un carreau qui est parallèle donc, aux lignes horizontales ici, et qui est dans le sens vers la droite, ben, permettra de représenter ce vecteur. Alors des vecteurs collinéaires, ce sont des vecteurs qui ont la même direction. Alors évidemment, si je considère des points sur une même droite, bah, si j'utilise deux de ces points pour représenter un vecteur, bah, la direction de ce vecteur, ce sera forcément l'horizontale. Et donc tous les vecteurs que je vais pouvoir former, que je vais pouvoir définir à l'aide de deux points sur la droite, bah, ce seront des vecteurs collinéaires. Et alors, si mes vecteurs sont collinéaires, bah, je peux passer de l'un à l'autre en multipliant par un nombre. Alors, comment ça marche? Donc, en réalité, hein, la multiplication, hein, d'un vecteur par un nombre, bah, ça correspond à faire quoi? Si je multiplie un vecteur par un nombre, j'obtiens un nouveau vecteur. Hein, si je multiplie un vecteur par un nombre, ou un nombre par un vecteur, j'obtiens un nouveau vecteur qui a la même direction que AB. Hein, par exemple, 2 cinquièmes de AB, ça va avoir la même direction que AB. Comme le nombre que j'utilise est positif, le vecteur que je vais obtenir, qui est BC ici, hein, aura le même sens que AB. Et le 2 cinquième ici, c'est le rapport des longueurs. Alors, évidemment, pourquoi je travaille en cinquième? C'est parce que je vais travailler. En réalité, il y a un quadrillage. Le quadrillage, c'est un carreau vers la droite. Et je remarque que AB, bah, c'est 5 carreaux vers la droite. Donc le vecteur AB, je pourrais l'écrire. Hein, le vecteur AB, je pourrais dire que c'est 5 fois le vecteur I. D'accord? Je pourrais écrire ça comme ça. Alors, évidemment, le vecteur BC, c'est facile. Hein, le vecteur BC, c'est deux fois le vecteur i. Mais alors, comme c'est deux fois le vecteur i, ben, je peux dire que c'est deux fois. Alors, le vecteur i, ça va être quoi par rapport à AB? Si AB, c'est 5 fois i, i, c'est un cinquième de AB. Donc, c'est deux fois un cinquième de AB. Et comme ça, je trouve que la relation qui lie le vecteur BC et le vecteur AB, ben, il faut que je multiplie par deux cinquièmes, deux fois un cinquième. Voyez? Et c'est le deux cinquièmes que j'ai là. Donc, retenez, hein, si j'ai le cinquième ici, c'est que AB. Dans ces graduations, hein, l'unité de mesure, hein, c'est 1, ici c'est un carreau. Si j'ai utilisé dans ce type d'exercice le vecteur AB, c'est que il faut regarder un petit peu le nombre de carreaux que j'ai au niveau du vecteur AB, et après raisonner avec le cinquième ici, donc de AB, puisqu'un cinquième de AB, ça correspondra à I. Et donc je raisonne facilement, bon, concrètement. Hein. Donc ici je continue, CD. CD, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux vers la droite, donc 6 fois un cinquième de AB. ED et AB, ben, vous voyez que ED, c'est 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, mais vers la gauche. Et AB, c'est 5 carreaux vers la droite. Donc en fait, je pourrais introduire le vecteur ici opposé au vecteur I, qui est le vecteur moins I. Et donc en fait ici j'ai ED qui est égal à moins AB. Hein. Donc c'est deux vecteurs qui ont même direction. Si on vous demande comme ça de comparer deux vecteurs qui sont reliés par un nombre, il faut dire qu'ils ont même direction. Donc ici même direction. Attention ici, moins 1, c'est négatif, donc ED et AB n'ont pas le même sens. Et au niveau de la longueur, puisque la valeur absolue de moins 1 c'est 1, bah, les longueurs sont multipliées par 1, donc les deux vecteurs ont la même longueur. Et la longueur, donc ici c'est 5 carreaux, puisque mon unité de longueur c'est un carreau. Ben on continue, hein. Donc BD, ben c'est pas compliqué. Ben bon, le nombre c'est 8 carreaux, donc c'est 8 fois 1 cinquième de AB. Alors CD plus ED, il y a plusieurs façons de faire. Donc CD, c'est, je raisonne en carreaux, hein, petit i, c'est plus facile. CD, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 carreaux, hein, je l'avais trouvé ici. C'est 6 carreaux vers la droite. Et ED, c'est 5 carreaux vers la gauche. Donc j'avance de 6 carreaux, puis je recule de 5. Au final, donc j'ai avancé que d'un seul carreau. Et donc ça sera un cinquième de AB. Vous voyez, je peux raisonner comme ça. Je peux aussi faire le calcul. Hein. Faire le calcul qui est donc représenté ici. Le calcul CD plus ED. Ben CD c'est 6 cinquièmes de AB.
ED, c'est moins AB, donc c'est 6 cinquièmes de AB plus moins AB. Donc c'est 6 cinquièmes moins 5 cinquièmes, puisque moins 1, hein, c'est moins AB, donc AB c'est devant AB, j'ai le nombre moins 1, donc moins 5 cinquièmes. Donc ça va, je peux mettre les nombres ici en évidence, donc je peux écrire ça comme ça. Et 6 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ça fait 1 cinquième. C'est une autre façon de trouver ce résultat en faisant simplement un calcul, hein, à partir de CDED que j'ai déjà calculé ici. Voilà, donc AB ici moins 5,5 de CD. Alors maintenant, si je prends CB comme référence ici, CB c'est deux carreaux, donc petit i ce sera 1,5 de BC. Hein. Petit i c'est 1,5 de BC, puisque j'ai deux carreaux ici, là, je peux l'écrire. BC c'est 2EI, donc i c'est BC divisé par 2, 1,5 de BC. Et donc, voilà, donc AB, bah, AB c'est 1, 2, 3, 4, 5 fois i. Alors là, j'ai pas BC, mais j'ai CB, donc c'est moins 1,5 de i, donc c'est 5 fois moins 1,5 de i. Alors ensuite, construis les points. Alors CP égale 9 cinquièmes de ED, donc pour aller de C à P, je fais 9 cinquièmes de ED. Alors toujours pareil, si j'ai un cinquième ici associé à un vecteur, c'est que ce vecteur va être dans une unité plus petite, un multiple de 5. Et regardez bien ici, pour aller de E à D, je fais 5 carreaux. Donc on est d'accord, 5 carreaux vers la gauche, c'est ED. Donc je peux remplacer ED ici par moins 5i. Ah, donc je pourrais écrire que CP est égal à 9 cinquièmes de ED, mais c'est aussi 9 cinquièmes et ED, c'est moins 5i. Les 5 en haut en bas se simplifient, donc j'obtiens que CP, pour aller de C à P, je fais moins 9i, c'est-à-dire que je fais 9 carreaux vers la gauche. Donc je pars de C, je fais 9 carreaux vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'obtiens le point grand P. Vous voyez? C'est très facile. BQ égale QD, ça c'est une relation vectorielle qu'il est bon de connaître, ça veut dire que Q est le milieu de BD, donc j'ai B et D, le milieu c'est Q. D'accord? On peut aussi, éventuellement, si vous avez du mal à voir ça comme ça, eh bien, faire en sorte que le point Q n'apparaisse que pour un vecteur, donc je peux introduire grand B ici entre les deux. Donc comme ça, j'aurai que des vecteurs BQ ou QB, mais que je pourrais simplifier. Donc ça fait BQ égale QB plus BD. Alors le QB qui est là, je passe de l'autre côté, ça fait BQ, donc ça fera 2BQ égale BD. Et donc BQ est égal à 1,5 de BD, hein, ce qui montre bien que pour aller de B à Q, je fais la moitié du chemin de B à D. Donc Q est bien le milieu de B à D. D'accord? Et bien le milieu du segment BD. Là, bah, 15BC plus 5RA égale le vecteur nul. Je veux placer le point grand A. Donc je vais déplacer le vecteur 15BC et le mettre de l'autre côté. Donc ça fait 5RA est égal à 15. Alors j'ai deux possibilités. Soit je change quand je passe de ce vecteur-là de l'autre côté, il faut que je prenne le vecteur opposé. Donc le vecteur opposé, c'est CB. Donc je fais 15 CB. Mais j'aurais pu écrire moins 15 BC aussi. Hein. Donc là, j'aurais pu écrire moins 15 BC. C'est la même chose que 15 CB. Ensuite, ben, je divise par 5 de chaque côté. Ça fera RA égale à 3 CB. Mais moi, je ne veux pas RA, je veux AR. Donc AR est égal à. Attendez, donc. Bon, faisons-le dans l'ordre. Là, ce que j'ai fait, c'est passer de là, j'ai juste changé le signe. Donc, je suis passé l'opposé, 5AR égale 15BC. Ouais, je transforme BC, je remets BC ici pour avoir. En fait, pourquoi je fais ça? Hein, parce que je cherche le point grand R. Donc, je vais partir du point grand A. Donc, il me faut grand A devant et grand R après. D'accord? Grand A, point de départ, grand R, point d'arrivée. Donc, 5AR sera égal à 15BC. Je divise par 5 de chaque côté. J'obtiens que pour aller de A à R, je fais 3 fois le vecteur BC. Pour aller de A à R, je fais 3 fois BC, donc 6 carreaux vers la droite. 1, 2, une fois BC, encore une fois, j'arrive ici pour grand R. Et là, donc SA plus 2SC plus SE égale le vecteur nul. Ben là, pareil, je vais raisonner par exemple sur le point grand S ici, ben je le cherche. Je vais faire en sorte qu'il soit associé qu'à un seul point, même point. Donc je vais introduire A partout. Donc du coup, j'aurai plus que grand S avec A, vous voyez? Donc 2 fois SA plus AC plus SA plus AE. L'avantage de ça, ben, je vais pouvoir regrouper mes vecteurs SA. Donc j'en ai 4. 1 plus 2, 3 plus 1, 4. Et de l'autre côté, ben, je vais avoir 2 AC, donc qui va me donner 2 CA. Et je vais avoir AE qui va donner EA.
Oui, donc j'ai 4SA qui est égal à 2CA plus EA. Alors SA, c'est pas dans le bon sens, il faut que je mette dans le sens AS et que je divise par 4. Donc il faut que je divise par moins 4 en fait. Donc si je divise par moins 4, 2 divisé par moins 4, ça fait moins 1,5. Alors le moins, je peux l'introduire dans le vecteur, donc ça fait 1,5, hein, puisqu'on n'aime pas les moins. Hein. Les moins, il vaut mieux les mettre au niveau des vecteurs. Quand après on va faire les déplacements, ben on fait des additions à chaque fois, on additionne des déplacements. Donc il faut juste mettre les points dans le bon ordre et oublier donc et remplacer les moins en changeant le signe des, le sang, le en changeant l'ordre des lettres au niveau des vecteurs. Et donc ça fait 1,5 de AC plus 1/4 de AE, d'accord? Parce que je divisais par moins 4, hein, donc divisé par 4, et puis j'ai changé EA en AE. Et donc AS égale 1,5, alors AC, c'est bien de raisonner avec le quadrillage, donc avec I. Donc je vais AC, ben, je sais l'exprimer en fonction de petit i. AC, ben, faut calculer, hein, AC c'est assez beaucoup, hein, c'est en fait AC pour aller de A à C, non c'est pas tant que ça, AC c'est 3 et 3, 6 c'est un 7, c'est 7 carreaux vers la droite, donc c'est 7 fois i. Donc je peux remplacer le vecteur AC par 7 fois i. Le vecteur AE par contre, lui c'est 18 carreaux, hein, donc je vous laisse le compte vérifier. Hein. Pour aller de A à E, je fais 18 carreaux vers la droite, donc c'est 18, je remplace le vecteur AE par 18 fois i. Et donc j'obtiens que AS est égal à 7 demi de i plus 18 divisé par 4, donc 9 divisé par 2. Donc ça fait 7 demi plus 9 demi de i. Et donc ça fait 16 demi, c'est-à-dire 8 fois i. Et donc pour aller de A à S, je fais 8 carreaux vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'obtiens le point grand S ici. Voilà, donc c'est terminé pour cet exercice. Alors, exercice suivant, donc là aussi, hein, donc un hexagone. Hein, donc on raisonne, nous, au niveau des vecteurs, on dit que c'est des changements de position, donc on raisonne en termes de changement de position. Mais évidemment, ces calculs-là sont valables, même si le vecteur représente autre chose que le changement de position, ça représente une force, une vitesse. Les calculs que l'on fait là sont évidemment corrects également. Un objet qui a donc une direction, un sens et une longueur, le vecteur. Alors, le vecteur LE, je fais ce déplacement-là. C'est le même que pour aller de D vers A, et c'est le même que celui pour aller de I vers C. Donc j'ai trois vecteurs, en utilisant tous les points qu'il y a là, les sommets des hexagones, ben, j'ai trois vecteurs qui sont égaux à LE. Enfin, j'en ai deux autres. Enfin, j'ai trois représentants du vecteur. Pour dire les choses correctement, j'ai trois représentants du vecteur LE qui correspond à ce déplacement ici, à la flèche qui est là. Alors, complète les pointillés en indiquant le point correspondant. Donc, je veux aller de C à un certain point que je ne connais pas. Et pour faire ce déplacement, donc en partant de C, je dois faire le déplacement HP plus CG. Alors, vu qu'il y a grand C ici, j'aurais intérêt de partir de C. Donc, je pars de C, je vais à G. Et après de G, je dois faire HP. Donc, je suis parti de C, maintenant je suis arrivé à G. Et je dois faire un déplacement qui correspond à HP. HP, c'est ça. Ça correspond à GD. Et donc j'arrive au point grand D. Et voilà, donc j'ai pu compléter mes pointillés. Alors de même pour grand N ici, je pars de grand N. Ben là, le premier vecteur, il part de grand N aussi, donc je vais prendre celui-là. Donc je vais de grand N, ben, je vais à P. Ok, ben, je suis à P maintenant. Le point P est ici. Je dois faire le déplacement qui correspond à HG. HG, vous voyez, HG, c'est ça. HG, c'est ça. Donc je descends ici. On est d'accord que le vecteur HG est égal à ce déplacement-là. Donc j'arrive au point grand D ici. Et le point grand D, ben, je suis à grand D ici, donc je suis déjà à grand D, arrivé à ce niveau-là, et je dois faire G, donc je dois aller à G. Et donc finalement, ben, donc, je suis parti de grand N pour arriver à grand G. Le vecteur, alors ici, vous voyez, j'ai I qui est à droite. Alors I à droite, ça ne m'arrange pas, parce que moi je vais partir de I, je veux partir de I. Donc je vous conseille de réécrire en écrivant I à gauche, et donc en prenant tous les vecteurs ici, et en prenant leur opposé. Donc voilà, donc je pars de I et je veux faire le déplacement LM. Je pars de I, je fais le déplacement LM, j'arrive à P. Arrivé à P, je dois faire le déplacement CE. CE, c'est ce déplacement-là. Donc je fais PM. PM est bien égal à CE. Donc j'arrive à grand M. Donc je suis parti, hein, de grand I et je suis maintenant au point grand M après avoir fait les deux premiers déplacements ici qui étaient indiqués. Il me reste à faire le déplacement PG à partir du point grand M. À partir du point grand M PG, PG, c'est donc la diagonale, une diagonale ici de l'hexagone. À partant de grand M, ça me fait arriver à grand D. Donc j'obtiens grand D ici, point grand D qu'il faut que je mette ici.
Et alors ici, bah, identique. Donc plutôt que d'arriver à H, je préfère partir de H. Donc je prends les opposés, 3DE, 2DC. Et le moins ici, bah, l'opposé, c'est 2EM. Hein, donc je la stack H, j'en ai juste le signe moins. Alors je pars de grand H, je fais 3DE. Je pars de grand H et je fais 3DE. Alors DE, c'est juste ça. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans un hexagone, c'est que si je fais DE ici et DE là, j'arrive là. D'accord? Donc ça, c'est une propriété importante. Voilà, donc ici, là, voilà, donc la diagonale ici, c'est deux fois la longueur du côté qui est là. Donc DE, si je pars de H et que je fais trois fois DE, j'arrive en fait à grand E ici. Ok? Une fois que je suis arrivé à grand E, bah je fais deux fois DC. Alors DC, c'est ce déplacement-là. Alors là, pareil, si je le fais deux fois, j'arrive ici pour le premier. Vous voyez, j'obtiens le. Ici, on peut le voir avec un parallélogramme. Hein. Si je fais DC ici, j'obtiens le parallélogramme qui est là. Et alors, je suis ici, je fais encore faire une fois DC. Si je fais encore une fois DC, bah, j'obtiens un nouveau parallélogramme. Un nouveau parallélogramme qui est donc ici. D'accord? Non, je ferais plutôt celui-ci de parallélogramme, voyez. Ce parallélogramme-là, d'accord. Et donc je vois bien que DC ici, c'est la même chose que ce déplacement-là. Donc raisonnez en termes de parallélogramme, hein, ce que vous verrez peut-être au niveau des propriétés dans la vidéo précédente. Hein, c'est vraiment une figure très importante quand on manipule alors je vais le dessiner pour être sûr que tout le monde a suivi quand même. Donc vous voyez, pour démontrer ce que j'ai dit tout à l'heure, si je fais, là c'est le centre ici, hein. Ici, j'ai le centre. Alors, si je dessine ce côté-là et ce côté-là, j'obtiens un parallélogramme. D'accord? Et alors, bah, du coup, hein, parce que si je fais, voilà, si je fais ça, là, j'ai un triangle équilatéral. Vous voyez? Un triangle équilatéral. Ici, j'ai un triangle équilatéral aussi. Et ici, j'ai un parallélogramme. Donc, comme ça, je peux montrer, hein, que le vecteur qui est là, si j'appelle ça grand Z par exemple, le vecteur ZH est égal au vecteur PI. Enfin, le vecteur ZH ici, si je fais maintenant ce parallélogramme là, le vecteur ZH est égal au vecteur PI. Et le vecteur PI est aussi égal au vecteur DZ ici, vous voyez. Et le vecteur PI, c'est aussi le vecteur ED. Donc voilà, on peut comme ça donc démontrer ce que je voulais. Non, là, je me suis un peu perdu, mais c'est pas grave. Donc j'étais où là? Je suis parti de H, j'ai fait 3DE, j'arrive à AE ici. 3DE, une fois, deux fois, trois fois. Ensuite je fais deux fois DC. Ben, deux fois DC en partant de E, ben, c'est tac, tac, j'arrive à grand B. Et après de grand B, je fais deux fois EM. Deux fois EM. Donc EM, c'est que je monte comme ça. Je le fais deux fois, donc j'arrive à grand L. Voilà. Et comme ça, donc j'ai résolu cet exercice.